Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous après de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Aujourd'hui, je vais vous parler de tokenisation. Je pense que maintenant, vous commencez, surtout pour les personnes qui sont un petit peu dans la crypto-monnaie, vous commencez à comprendre l'enjeu qui est en fait tout simplement la tokenisation de tout ce qui tout sera tokenisable bientôt dans le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la tokenisation de l'immobilier. Voilà. Donc pour comprendre ce que c'est déjà qu'une tokenisation de l'immobilier, je vais, comme c'est assez clair et concis, utiliser ChatGPT et vous expliquer un petit peu. Donc la tokenisation de l'immobilier est un processus qui consiste à représenter la propriété d'un bien immobilier sous forme de jetons numériques ou de tokens sur une blockchain. Un exemple, j'investis sur Realty, c'est exactement ça, vous achetez des tokens et vous achetez une fraction tout simplement d'un bien. Ces tokens représentent une participation ou une part de propriété dans le bien immobilier et peuvent être échangés ou négociés de manière sécurisée sur une plateforme dédiée. Le projet Estate X tel que mentionné semble être une initiative spécifique de tokenisation de l'immobilier. Bien que je ne dispose pas d'informations précises sur ce projet, je peux vous expliquer les principes généraux de la tokenisation de l'immobilier. Alors, on va voir les avantages tout simplement de cette tokenisation. Donc le premier avantage, c'est accessibilité accrue. La tokenisation permet de fractionner la propriété d'un bien immobilier en de plus petites parts, ce qui peut permettre à un plus grand nombre d'investisseurs d'accéder à des opportunités immobilières. Cela ouvre également la porte à des investissements plus flexibles, permettant aux investisseurs de participer à des projets immobiliers avec des montants plus petits. Donc en fait, ça permet de ramener tout simplement un marché, de taper sur plus de personnes, car là vous pouvez, étant donné qu'on peut investir par exemple sur Estate X à partir de 100 €, il y a énormément de personnes que vous pouvez toucher, alors qu'avant, si vous vendez votre bien sans être fractionné, vous allez toucher une seule personne. Et surtout, là, vous ramenez un marché plus grand, puisque vous touchez plus de population, plus d'investisseurs. Ensuite, deuxièmement, liquidité améliorée. Les tokens immobiliers peuvent être échangés sur des plateformes de trading décentralisé ou réglementé, permettant ainsi aux investisseurs de bénéficier d'une plus grande liquidité par rapport à l'investissement traditionnel dans l'immobilier. Les tokens peuvent être achetés, vendus ou échangés plus facilement, offrant ainsi une flexibilité accrue pour les investisseurs. Donc l'avantage, c'est que je peux acheter des tokens et si demain je veux les revendre, il y aura un marché secondaire, vous pouvez revendre comme sur Realty, vous pouvez les mettre, les échanger, etc. Alors que si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et que vous voulez le vendre, je peux vous dire que c'est pas le lendemain que vous allez le revendre, surtout actuellement, il va falloir du temps. Donc ça permet vraiment d'avoir une liquidité et ça c'est vraiment un très bon avantage. Ensuite, troisièmement, on va passer à la transparence et traçabilité. Tout simplement, le fait que ça soit mis sur la blockchain, la tokenisation de l'immobilier permet une transparence accrue et une traçabilité des transactions. Les informations sur la propriété, les contrats et les transactions peuvent être enregistrées de manière immuable sur la blockchain, ce qui renforce la confiance des investisseurs et facilite le processus de vérification. Voilà. Ensuite, quatrièmement, fractionnement des revenus. Les revenus générés par un bien immobilier, tels que les loyers ou bénéfices de vente, peuvent être distribués aux détenteurs de tokens en fonction de leur part de propriété. Cela permet aux investisseurs de bénéficier directement des revenus générés par le bien immobilier de manière proportionnelle à leur investissement. Voilà, regardez ce qu'il met à la fin. Il est important de noter que la tokenisation de l'immobilier est encore un domaine émergent et qu'il peut avoir des défis réglementaires, juridiques et techniques à prendre en compte. Voilà. Donc, c'est de toute façon l'avenir, les tokenisations, c'est l'avenir. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce projet Estate X, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, hein, ça fait déjà à peu près 2 ans que le projet a été lancé, c'est tout simplement que les pionniers, c'était Realty, là, il y a beaucoup de gens qui commencent, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à se mettre en place pour faire un petit peu la même chose, et ils peuvent justement se servir un petit peu de ce que fait Realty, mais en rajoutant un petit peu leurs ingrédients, et de voir aussi un petit peu les erreurs de Realty pour ne pas les commettre, et donc de s'améliorer et d'utiliser aussi les blockchains qui sont de plus en plus technologiquement avancées. Voilà pour Estate X. Donc le but en fait, c'est que vous pouvez investir de 100 € à partir de 100 € et ça sera dans le monde entier. Mais là, je ne vais pas vous parler pour l'instant de l'investissement, mais plus de la prévente, c'est-à-dire que là, vous avez un jeton qui s'appelle ESX, qui sera en fait le jeton de Estate X et qui va tout simplement être listé. Alors, ça sera mardi 9 mai à 20 h heure française. Donc, on va regarder un petit peu Estate X. Estate X rendra l'investissement dans l'immobilier simple, abordable et accessible à tous, partout. Ne manquez pas la prévente de jetons ESX. Voilà. Estate X permettra à quiconque de construire un portefeuille immobilier qui rapporte un revenu passif régulier avec aussi peu que 100 $. Propulsé par la dernière technologie de blockchain, nous créerons une propriété fractionnée des investissements immobiliers dans le monde entier pour mettre à la disposition de toutes les opportunités qui étaient auparavant limitées aux investisseurs institutionnels et privés à valeur nette élevée. Donc en fait, ils veulent démocratiser tout simplement l'investissement dans l'immobilier pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc la prévente, au cœur de l'économie statique se trouve le jeton ESX, un jeton utilitaire innovant avec un nombre varié et sans cesse croissant de cas d'utilisation pratique. La prévente de jetons ESX est votre opportunité exclusive de rejoindre la révolution au niveau local, alors que nous perturbons l'avenir de l'investissement immobilier et accélérons le lancement de la solution Estate X. Avant notre listing d'échanges prévu plus tard cette année, alors en fait dans la roadmap, c'est la dernière prévente, là c'est la vente privée, et derrière il va y avoir tout simplement un listing sur les échanges. Voilà, je vais vous montrer un petit peu après. Il y a déjà eu des tout simplement des préventes dans la communauté en elle-même. Voilà. Vous devez être inscrit sur la liste blanche pour être admissible à la prévente de jetons. Alors, il faut tout simplement, on verra ça après, s'inscrire sur le site et faire un KYC et une vérification de mail, et ensuite de configurer votre Trust Wallet ou MetaMask pour pouvoir acheter les jetons qui sont à un prix pour l'instant très intéressant par rapport à ce qu'ils vont être après le listing. Voilà. Votre compte contributions nous aideront à continuer de bâtir sur nos bases solides alors que nous préparons à lancer Estate X, garantissant toutes les réglementations et licences nécessaires pour être aussi accessible à tous que possible. Alors l'application sur Play Store va bientôt être mise en place pour justement commencer à pouvoir investir. Ils sont en train de faire ça. On va passer... Donc je vous invite à bien sûr à aller sur le site pour regarder tout simplement. Alors pour nous aider à construire cet avenir financièrement libérateur pour tous, nous lançons un nombre très limité de jetons ESX à vendre à 50% de réduction sur notre futur prix de cotation. Donc vous voyez, donc déjà vous ferez vous allez faire une bonne plus-value déjà. Le jeton ESX sera utilisé dans l'écosystème Estate X pour agir en tant que jeton de gouvernance sur les opportunités d'investissement et offrir une gamme d'avantages aux détenteurs de jetons grâce à un nombre croissant de partenaires commerciaux. Donc en fait vous allez avoir aussi avec ce jeton, non seulement vous pouvez faire une plus-value, mais si vous les conservez vous allez avoir pas mal d'avantages. Voilà, donc là il vous explique un petit peu pourquoi acheter le jeton. Alors achetez maintenant pour obtenir un énorme remise sur vos jetons ESX. C'est-à-dire que là, vous pouvez les acheter largement moins cher que la valeur future. Potentiel de croissance élevé. Token a un large potentiel de croissance utilitaire et internationale. Accès rapide et exclusif à de nouvelles opportunités. En fait, vous serez, si vous avez vos propriétaires de jetons, vous serez tout simplement VIP. Déterminer l'avenir de l'investissement. En fait, si vous êtes propriétaire des jetons, vous allez avoir un droit de vote, tout simplement de gouvernance, tout simplement en étant détenteur de ce token. Vous allez aussi, tout simplement, si vous avez des jetons ESX, tout simplement recevoir des airdrops, et donc vous allez avoir des jetons gratuits en plus. Voilà. Ensuite, les détenteurs de jetons de pré-vente recevront des NFT exclusifs. Donc vous allez aussi avoir des revenus passifs avec ces NFT. Jalonnement et récompense. Les supporters de STX pourront mettre leurs jetons en jeu et recevoir de grandes récompenses. Donc on pourra faire du staking, on pourra les mettre en collatéral. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc là on peut voir ce qui est déjà passé, donc vous pouvez voir qu'il y a déjà eu pas mal de rounds de fait et que là on est sur la vente privée, la pré-sale privée, donc vous voyez, et ensuite ça sera le launchpad, là ça sera en public, où là il va prendre de la valeur. Alors vous aurez l'opportunité ensuite soit de le revendre, soit de le garder en fonction, tout simplement si ça vous intéresse, d'avoir des revenus, etc. Ça c'est après, c'est aux gens de gérer. Pour ma part, j'aime ce projet et j'investis déjà sur Realty, j'investirai sur Estate X et je garderai donc ces jetons pour avoir pas mal d'avantages et des revenus passifs sur cette plateforme. Voilà, donc voilà un petit peu, donc ça sera pour le 9 mars à 20h. Il faut obligatoirement utiliser un lien, vous pouvez utiliser mon lien, je ne sais pas sinon, je crois qu'il faut vraiment utiliser un lien, il y a une histoire où il faut, vous ne pouvez pas vous inscrire comme ça, pour en tout cas cette prévente, mais après si vous ne voulez pas utiliser mon lien, je crois, je vous invite à aller voir un youtubeur qui s'appelle LordTV, je crois, et que lui aussi a des liens. Vous pouvez aussi aller sur son lien si vous voulez pour vous inscrire, mais vous êtes obligé de passer par un lien pour la prévente. Alors on va aller sur le site. Donc vous voyez, il faut absolument être inscrit et vous allez arriver, vous allez faire vérifier votre mail et ensuite faire, surtout ça c'est très important, le KYC, approuver votre KYC, c'est très rapide, hein, ça m'a pris 5 minutes et ensuite vous allez voir c'est ici Buy Token Now. On peut voir que pour l'instant c'est en attente, il va falloir attendre, c'est marqué ici, donc c'est le 9 mai à 20h heure française. Voilà, à partir de là, vous allez tout simplement cliquer mais il faut avant paramétrer votre Trust Wallet ou votre MetaMask qui soit connecté, et ça sera sur la il y a plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs solutions, il y a BEP20, il y a la BSC, et vous pouvez acheter avec du BNB par exemple, de l'USDT, je crois que c'est à partir de 1000 $ uniquement, mais sinon avec du BUSD ou du BNB, vous pourrez acheter tout simplement le token ESX, mais il faut avoir paramétré, avoir fait un KYC et paramétré en tout cas votre wallet sur MetaMask ou Trust Wallet, etc. pour pouvoir les toucher. Voilà, si vous voulez vraiment plus d'informations sur mon Telegram, il y a toutes les informations sur ce presale, cette ICO, et sur mon Telegram vous avez beaucoup d'informations sur des ICO, sur la crypto-monnaie, mais aussi sur d'autres investissements sur lesquels je suis aussi, et vous avez d'autres personnes qui sont très calées qui pourront aussi vous répondre sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour, faire votre propre recherche sur tout simplement Estate X. C'est en tout cas pour moi vraiment une bonne opportunité et un super projet où je vais tout simplement investir donc mardi à 20 h. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, ciao.